Salut à tous. Alors je vous l'ai dit, je reviens de vacances là, donc je suis un peu dans le speed parce que j'ai pris du retard sur les vidéos. Donc exceptionnellement aujourd'hui, une intro assez brève, assez courte, pas de sketch, j'ai pas le temps d'écrire, de jouer, etc. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de moi, parce que finalement, ça fait quelques années qu'on se fréquente et vous savez pas grand-chose sur moi finalement. Donc là, c'est la bonne opportunité de vous annoncer, voilà, je vous le dis, je suis misophone. Alors, la misophonie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'être agacé, irrité, voire énervé par tout ce qui est bruit de bouche, en fait, bruit de mastication, bruit d'aspiration, vous voyez. Moi, par exemple, j'ai du mal à partager un repas dans le silence ou... Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens pour l'intro là, tu m'as dit c'est les destins liés, on fait une intro à deux, je sais pas Non, quoi. c'était la semaine dernière, c'est trop tard là, c'est pas grave, je me suis débrouillé autrement. Eh bah, désolé, hein. C'est pas grave, est-ce que tu peux sortir s'il te plaît? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Si, ça va, mais sors! Ok. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, ça peut provoquer quelques réactions épidermiques, mais c'est pas notre faute. En fait, c'est un vrai trouble du cerveau, hein, faut le savoir. Donc bon, si vous êtes misophone comme moi, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, ça m'a aidé de mettre un nom là-dessus et de savoir que j'étais pas seul. Donc après, je sais que ça peut être dur, mais Dieu merci, moi, aujourd'hui, j'arrive à plutôt pas mal le Hein, en fait. gérer. Ah arrête, arrête. Voilà, donc moi aujourd'hui ça va. Et si vous ne savez pas si vous-même vous êtes misophone, eh bien c'est très simple. Si cette intro vous a un petit peu agacé, et si dans la vidéo qui va suivre, il y a certains moments où vous avez envie de frapper quelqu'un, eh bien c'est probablement que vous êtes misophone. Donc bienvenue au club et envoyez le générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Et avant de démarrer, une chose importante, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne parce que ça me permet d'être plus visible sur YouTube et donc de vivre un peu mieux de mon travail. Et comme d'habitude, je remercie vraiment du fond du cœur tous les membres, tous les tipeurs, tous les gens qui font des dons de soutien et qui me permettent tout simplement de payer mon loyer. Et si vous aussi vous aimez mon travail et vous souhaitez faire partie de ces gens formidables, vous pouvez me soutenir en devenant membre de la chaîne YouTube en cliquant sur le lien en description. Ou bien vous pouvez me faire un don de soutien sur Tipeee, même un 1 euro par mois, c'est déjà magnifique pour moi. Ça se passe juste ici, d'avance. Merci à tous et très bonne vidéo. Ah. Oh my god! C'est pas Aurélien et Sébastien qui me perturbent, ou David dans ce qu'il me raconte, ou un autre ou un tel. Hein. Tu sais, moi, t'as cru que j'avais pété, hein, toi aussi, t'as vu? The war is beginning. It's beginning. The war begins. The war begins. Il t'en manger matin, soir, riz, truc, manioc. Putain, c'est pas la fête du slip. J'ai mon slip. C'est la fête du slip. C'est la fête du slip. La kermesse est dessous. Bouteille. Il n'y a pas de plus grande. C'est mes bites. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne chance à tous. Je vous invite à vous mettre en maillot de bain. Et poil ! Top, c'est parti. Pendant les épreuves statiques, on le sait, on va se faire chier comme des rats morts. Alors attachez votre ceinture et vos slips, on est parti pour un petit tour. Les choses sérieuses commencent réellement maintenant. La grille se rapproche encore un peu plus de l'eau. Top ! C'est une épreuve de sang-froid, de maîtrise de soi. Et cette fois-ci, la grille va être totalement immergée. Déjà une demi-heure passée sous la grille. Au bout de 35 minutes, on s'est fait chier. David et Julie, c'est terminé. Ce n'est pas très surprenant. Léa, c'est terminé. Pauline, c'est terminé. Et ça, c'est terminé. Comme d'habitude. La victoire, elle est pour Amri, bravo! Vous venez de remporter ce jeu de confort, Amri. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel!
fermer sa gueule. C'est lourd. C'est lourd. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien pour ma famille, pour mes enfants. Je sais que pour le grand, ce sera important de voir son père gagner. Et j'ai toujours voulu faire en sorte que mon attitude, que mon fils ait les mêmes valeurs que moi. Vis-à-vis de mon fils, je lui enseigne des valeurs. J'ai toujours essayé de bien me comporter. J'ai toujours cru qu'une bonne attitude ferait qu'on pense de moi que je suis quelqu'un de bien. Et c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mon fils. Lui dire, tiens, ben, regarde, papa, lui, il a trahi, voilà. J'ai l'impression qu'elle a toujours douté de mon admiration pour elle. J'irais même de mon amour pour elle. Plus c'est gros, plus ça passe. Et je vais partir avec ma petite Lélé. Lélé, 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 Lélé. Merci, Amri. Avec plaisir, ma Lélé. Nya, 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 nya. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh. Merci, Amri. Oh, ma Lélé. Lélé, 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 Lélé. Vraiment, je l'ai sucé. Je suis une grosse gourmande. Je l'assume, je suis vraiment gourmande. Coquine. Je l'ai laissé sur la langue pour bien savourer le caramel avant de manger la patate douce. On en prend plein la bouche. That's what she said. Faire comprendre à Léa qu'elle comptait énormément pour moi, que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Merci, Avril. De rien, Léa. Merci, Avril. De rien, Léa. Oui, on a compris, c'est bon. Sur le camp réunifié, Jean, lui, est au 36e dessous. Le Normand a faim. Les réserves s'épuisent et se remplissent jamais. Viens, t'as qu'à m'appuyer, moi j'ai avec ta bouche fermée, toi. J'ai l'impression d'être à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Au fur et à mesure de l'aventure, je trouve vraiment que j'acquéris... Sur cette image, on voit Molière qui acquérit une mort lente et douloureuse. Putain, j'aime bien, je fais ça avec mes enfants en plus en été, quand on part en vacances. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Comme j'ai dit, on est dans un jeu. Tout ce qu'on fait dans Koh Lanta, il vaut mieux une pierre deux coups qu'une pierre un coup. Oh yeah, il est énorme. Comme ma bite. Là, je vois que j'ai les jambes fines. Ah, c'est passionnant. Ça. Ma soeur qui fait presque 10 kilos de moins, je pense que là, je suis quand même. Formidable. Elle est belle, cette jambe. J'aime bien celle-là aussi. Mais c'est fabuleux. J'adore Koh Lanta. Ta gueule. And I will give a short demonstration on how to make a chamarol. Chamarol. Okay. Okay. Elle comprend rien, elle est con. On se régale. Repose-toi. Merci, Amri. Nya nya nya, elle est nya nya nya. Alors, vu les préjudices subis en vertu des termes des ayants droit, eu égard à la vente laquelle préalablement l'acte complémentaire comme objet des présentes a exposé ce qui suit les pièces ci-dessus énoncées et datées selon l'article 9 bis. Waouh. Des colliers d'immunité aux pouvoirs inédits et renversants. Ce collier d'immunité individuel protégera l'aventurier qui le jouera lors du prochain conseil auquel il participera. Après ce conseil, il perdra son pouvoir de protection. Waouh, collier de ouf. C'est le 31e matin sur le camp. Élu le meilleur petit déj. Autres naufragés essaient d'oublier la stratégie en imaginant des menus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh là là, je... Oh, la des pancakes! Oh là 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 là! Ça suffit, hein? Ça va, ça suffit, hein? Tous mes rêves deviennent réalité. Arrêtez! C'est une expression d'Albert Einstein que j'aime beaucoup et qui dit que la vie c'est comme le vélo. Pour garder l'équilibre, faut avancer. C'est le grand retour tant attendu sur le camp. Amri ne perd pas de temps. Oh. Là, il est en train de se remplir d'eau et à un moment donné, avec la pression, paf, ouverture du coffre. A few moments later. Ça va durer une heure, là, allez. Match later. Match later. Oh mon dieu. Je l'ai là. T'as mal où là, tu parles? Ah, t'as mal au pied? Tu t'es fait mal au pied?
Tu vas la gamme, tu vas boire un coup. Jean pour le médecin. En cherchant de la nourriture, je me suis pris les pieds dans des cailloux et je suis tombé. Et ma cheville a bien tourné et là ça commence à gonfler et c'est assez douloureux. J'en ai rien à foutre. Une petite entaille sur le doigt et l'entorse à la cheville droite. C'est pas non plus. Ah, je suis foncé. Mais attends, mais je t'ai même pas encore piqué. Pour Nathalie, arrête ton cinéma. J'ai serré les dents, j'ai dû crier un peu. Juste un petit peu. Ouh, oui, ça chauffe là. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaussonne? Un cyclone est en train de se former au milieu du Pacifique. Vous allez déménager. Ça y est, c'est maintenant? ...32e levée de soleil. Vous nous prenez vraiment pour des cons? À la base, au départ, voilà, il devait me donner un rouge, je devais lui donner un jaune. Voilà, du donnant, donnant. Là, je lui ai donné deux jaunes. Et là, tu me demandes de faire des concessions sur Mégane. Mais ça va, tu veux quoi? Tu veux me mettre à poil, quoi? Tu veux que je me mette à poil? Je laisse mon froc et... Celle-là, tout désons, c'est l'obstination du vélo. C'est parti. Bonne chance à tous. La chance n'a rien à voir là-dedans, juste le talent. Et juste le travail aussi. Ah ouais. Bonjour à tous. Jean, vous avez été blessé à la cheville. Malheureusement, le médecin... No, God! Le médecin considère que vous ne pouvez pas continuer l'aventure. C'est pas mon style de lâcher sur ce genre de blessure. C'est pas vous qui lâchez, Jean. C'est la décision du médecin. Le bâtard? J'arrive pas à y croire. Ça me paraît réel. C'est pas possible que ça se finisse comme ça. Il va me faire chialer, le con, là. Mais bon, les gars. Mon plus bel adversaire. The Avengers. Deuxième retour d'Amri, et au niveau des allers-retours est le plus rapide. That's what she said. David, c'est pas bon. Léa, c'est pas bon. Amri, c'est pas bon. C'est pas bon, Julie. Ils sont nuls. Denis. La victoire pour Léa. Bravo, madame. Bravo. Pauline, c'est pas bon. Julie, ce n'est pas bon non plus. Amri, ce n'est toujours pas bon. Possible. Et si c'est possible. Denis, c'est bon. Leïssa, c'est pas bon. Julie, toujours pas bon. Denis. C'est pas bon, Amri. Non, non. Et si. Je vous promets. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si, voilà, ça marche. C'est pas bon, Julie. C'est pas bon, David. Eh non, David, c'est pas bon. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Amri, c'est bon. C'est pas trop tôt, dites-moi. Putain. Et calme-toi. Vous évitez la dernière place. Ils ne sont plus que deux. Bel adversaire. David, c'est bon. Leïssa, vous terminez. Malheureusement, dernier. Ouh, c'est nul. David, c'est pas passé loin. Hein. Ça doit vous faire enrager quand même. Une nouvelle fois d'être derrière, quoi. Oui, j'aime pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Merci de me le rappeler, Denis. Mais non, moi j'essaie de vous motiver surtout. Ah non, là, je suis fatiguée, puis même Mégane me saoule, les discussions me saoulent, les tiatias me saoulent. Alors, comment fonctionne une roue libre? Moi, je voterai le premier c*** est terminé. Moi, je voterai le premier c*** est terminé. J'en ai rien à foutre comment Pierre est habillé, Paul D. Enfin, c'est vraiment les trucs qui me gonflent. C'est que des suppositions qu'on verra, qu'il y aura, que peut-être... On s'en fout, voilà, on va voter ce qu'on a dit, point, et ça sert à rien de reparler. Mais je trouve qu'il y a des trucs bizarres. Tu trouves pas, toi? Tu vas me bats les couilles, moi, honnêtement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Amri, je vote contre toi car tu veux faire une stratégie contre moi. Absence totale de respect. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité? Moi, Denis. Amri. Tiens, toi, quelle surprise. Amri. Y'a pas de respect? Mégane. Oh non, merde, putain de merde! Oh, je ne comprends pas. Et leur sentence est irrévocable. Bah, je pense du coup, si je devine les deux votes de Léa, Amri et Pauline. Exactement. Comment vous avez deviné? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment envie d'une tribu blanche.
et c'était un rapprochement vraiment sincère. Sauf que moi, j'avais confiance en vous, mais toi, t'avais pas confiance en moi. What? Toi, t'avais pas confiance en moi. Moi, honnêtement, Meghan. And the Oscar goes to. Ce vote me déchire. I'm right. C'est pas ce que je voulais faire. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Ça vous fait sourire quand vous entendez Amri dire ça, Julie? Ah bah à chaque fois. Il est dégoûté à chaque fois. C'est un miracle. C'est surprise que Meghan quitte l'aventure. C'est une sortie de route inattendue pour la vendeuse de voitures. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En vue du best-of de fin de saison, vous me mettez dans les commentaires le ou les passages que vous avez préférés. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vous laisse et je souhaite bon courage à tous les misophones. Prenez exemple sur moi, un peu de self-control, ne vous énervez pas. Après moi, c'est parce que j'ai acquéri une certaine forme de sagesse aussi. Alors, vu les préjudices subis en vertu des terres des ayants droit, eu égard à la vente laquelle préalablement l'acte complémentaire comme objet des présentes à exposer ce qui suit les pièces ci-dessus énoncées et datées selon l'article 9 bis. Oui, jusque-là, tout est clair.